concerne là. Amen. Mais le frère nous avait dit déjà que on ne peut pas comprendre Dieu avec les cinq sens du corps, c'est impossible. On ne peut pas comprendre Dieu avec les cinq sens de l'esprit. Frère dit que les cinq sens du corps ne vous ont jamais été donnés pour contacter Dieu. Oubliez ça déjà. Ni les cinq sens de l'esprit. Mais la seule chose qui a été donnée à l'homme pour comprendre Dieu, c'est l'âme. Amen. La semence prédestinée, c'est que la science appelle le subconscient. Amen. La science appelle ça le subconscient, mais nous, nous appelons ça l'âme. Alors, les frères, nous, si nous voyons ici dans la Bible, on nous parle d'Abel. On dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. On ne parle pas de la guérison d'Abel. On parle de la foi d'Abel qui lui avait permis de donner une offrande excellente à Dieu. Frère dit que parce qu'Abel avait la révélation de ce qui s'est passé dans la pensée de Dieu. Frère dit que la foi est une révélation. Comme j'ai donné l'exemple de la foi passée, si vous avez besoin de quelque chose et que vous avez l'argent dans la poche et que vous ne savez pas, vous serez malheureux. Mais jusqu'à ce que, qu'on vous dise que vous avez l'argent dans votre poche, tu tiens comme ça, tu touches comme ça, tu vois l'argent à ce moment-là, ça crée une foi en toi, tu sais que je vais manger. Amen. Tu n'as pas la nourriture, mais néanmoins tu as l'argent. Et cet argent-là, c'est votre substance. Ici, on dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à un plus excellent que celui de Caïn. Caïn n'avait pas la révélation de ce qui était pas, ce qui était dans la pensée de Dieu. Et la foi là n'a pas été donnée à Caïn. Amen. On parle de la foi ici comme étant un don. C'est que Dieu donne lui-même. Comme Paul le dit, vous êtes sauvés par la grâce par la foi, et par la grâce au moyen de la foi qui est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne ce don de la foi. Et le don de la foi en question, c'est quoi? Le frère nous avait dit que c'était le sixième sens, c'était ce qu'on appelle la semence prédestinée. Parce que Caïn, quand il a vu les sacrifices de son frère, est accepté, qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Caïn s'est mis en colère. Dieu lui demande, mais pourquoi tu mets en colère? Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Mais Caïn n'avait pas la foi à lui. Même s'il copiait Abel, ça n'allait pas marcher. Amen. Parce que dans l'histoire de la révélation, on ne copie pas. Femme dit que la révélation est individuelle. Femme dit que la nouvelle naissance, c'est Dieu qui se révèle personnellement à vous. Voilà pourquoi les choses de Dieu, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une robe de seconde main. Amen. La Bible dit, mais or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, on ne peut pas comprendre, c'est quasiment impossible. Parce que les choses de Dieu, c'est dans le domaine de l'invisible. Le Pharaon dit que toutes les choses qui concernent la parole, ce sont des choses invisibles. Je ne sais pas comment est-ce que les gens dans ce message cherchent des choses invisibles. La foi, c'est invisible. L'amour, c'est invisible. Amen. On ne le voit pas. Frère Branham dit que va m'acheter l'amour. Il n'y a aucun magasin qui vend l'amour. Et personne ne peut toucher l'amour. Personne ne peut toucher la foi. Mais nous déclarons que nous l'avons. Frère Branham dit que c'est ça le monde de Dieu. Donc le monde de Dieu ne concerne pas les cinq sens. Ça, on doit dire ça au courant du message. Un seul imaginaire avec où on amène un corps physique comme ça. Ça, ça n'existe pas. Amen. Mais faut maintenant dire maintenant, la foi est une substance. C'est un sens. C'est le sixième sens du corps humain. Amen. La foi, c'est le sixième sens du corps humain. C'est un livre. Il est là humain à deux sens. Chaque personne a cinq sens qui composent le corps humain. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'homme intérieur a deux sens, soit la foi ou soit l'incrédulité. L'un des dominés. Pour Caïn, c'est l'incrédulité qui avait dominé. Mais pour Abel, c'est la foi qui avait dominé.
Abel avait reçu la révélation comme quoi qu'il s'agissait d'un mélange de sang dans les ambelles. Amen. Il avait compris que ses parents avaient mélangé les deux races, la race de Dieu et la race du serpent. Comme il s'agissait du sang, les femmes ont dit que voilà pourquoi Abel est parti pour offrir le sang du sang. Et quand Abel a offert du sang, son sacrifice a été agréé parce qu'il avait représenté ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Or, Dieu, comme je l'ai toujours dit, Dieu n'accepte pas ce qui est bon. Dieu accepte ce qui est sa pensée. Amen. Amen. Comme on l'a dit, là nous avons le corps humain. Nous avons là, au niveau de la chair, nous avons les cinq sens, comme nous le savons, le goût, l'ouïe, l'odorat, ainsi de suite. Au niveau de l'esprit, nous avons l'imagination, la conscience, l'affection, le raisonnement, la mémoire. Mais au niveau de l'âme, nous n'avons qu'un seul sens qui est la foi pour nous les croyants. Et c'est la foi, et cette semence prédestinée qui est dans l'âme, c'est notre tour de contrôle. C'est le véritable nous. Amen. Mmh. Quand on parle de nous, ce n'est pas la chair. C'est ce que les points du message doivent comprendre. Voilà pourquoi la femme madame dit que l'enlèvement est une révélation pour la véritable épouse. Parce que les choses de Dieu ne concernent pas l'homme, l'homme de la chair. Mmh. La Bible dit que, même le frère madame dit que nous avons créé, nous avons été créés par l'image de l'animal. Il dit si vous prenez l'être humain, il ressemble à l'ours. Mais l'âme qui est à l'intérieur, c'est la chose qui a été créée à l'image de Dieu. Amen. Or, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Amen. Et l'image de Dieu, ce n'est pas la chair. Mm. La chair, c'est l'image de l'animal. Or, l'enlèvement concernait l'homme. Quel homme? Pas l'homme selon la pensée des hommes, mm. mais l'homme selon la pensée de Dieu. L'homme selon la pensée de Dieu, c'est celui qui a été créé à son image à lui. Et vous voulez attribuer l'enlèvement à l'animal qui n'est pas l'image de l'homme. En réalité, l'homme de la chair n'est pas un homme. Amen. En réalité, c'est un animal. Mm. La Bible déclare qu'il y a les hommes animaux. Ce qui fait de nous les hommes, c'est parce que nous avons l'image de Dieu qui est l'homme. En vérité, si vous regardez en réalité, l'homme, c'est celui qui a la sémence de Dieu en lui. Amen. Celui qui n'a pas la sémence de Dieu en lui, même si c'est religieux, il n'est pas un homme. Parce que pour être homme, il faut avoir la représentation de Dieu en toi. Parce que c'est en cela que Dieu avait créé l'homme. Une fois, je parlais avec un prêtre catholique. Il me dit, j'avais posé la question, tu connais Branham? Il dit pourquoi tu me poses cette question? Moi je dis non, je te pose cette question parce que c'est quelqu'un quand même qui est. C'est un homme public, tout le monde le connaît presque. Il dit non, je ne le connais pas. Mais nous avons tous été créés à l'image de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Moi je dis quand tu parles à l'image de Dieu, Dieu c'est quoi? Il dit que donc, tous les humains ont été créés à l'image de Dieu. Moi, je dis, est-ce que Dieu serait humain dans le sens que tu es en train de dire? Il dit, non, Dieu n'est pas humain dans ce sens-là. Moi, je dis, alors, ce n'est pas tout le monde qui crée l'image de Dieu. Alors, le monsieur m'a gommé dans son Facebook. C'est un prêtre catholique. L'image de Dieu, c'est l'âme. Voilà pourquoi nous disons que les choses de Dieu ne concernent que l'âme. La foi que nous sommes en train de parler aujourd'hui, là, c'est la foi comme étant la sémence prédestinée. Amen. Amen. Je vais juste récapituler. Il faut pas nous dire dans les questions-réponses. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, nous savons que le Frère Branham nous donne le processus. Il dit, le Frère Branham dit que quand l'enfant est dans le ventre, il faut vraiment dire que ce sont des muscles qui se contractent.
L'âme n'est pas encore dedans. Le chauffage est très fort. C'est très fort. Oui. Frère Miguel, à l'intérieur du ventre de la mère, c'est une sorte de muscle qui se contracte. Le frère Miguel, une fois que l'enfant est né, on donne à une fessée à l'enfant et l'enfant pleure. Il dit, c'est en ce moment-là, un être vient du ciel pour entrer dans le bébé. Si ce n'est pas une semence prédestinée, c'est un être qui vient de l'enfer qui entre. Et là, maintenant, la destinée même du bébé est déjà serrée. C'est pourquoi on a posé la question, frère Branham. Frère Branham, si un bébé, la première fois on avait posé la question, frère Branham, si un bébé meurt, il entre au ciel ou en enfer. La première fois, frère Branham dit que non, si le bébé meurt dans l'âge de l'inconscience, certainement il est au ciel. Et après, on a posé la même question. Il dit il s'agit, c'est là l'époque de la sémence qui est dedans. Amen. Voilà pourquoi ils sont partis là-bas. On a dit si moi-même les bébés amalécites, malgré que c'était des bébés, mais c'était quand même des amalécites. Parce que Jézabel n'est pas devenue Jézabel. Elle a toujours été Jézabel depuis son enfance. Et maintenant, quand on est dit, la question là provenait d'une question qu'on avait posé au frère Branham concernant l'ange qui nous garde. Et le frère Branham maintenant donne ça. C'est vrai que même l'ange quand on dit que j'ai un ange qui me garde, l'ange qui te garde, c'est toi-même. Le frère Branham a expliqué ça. Si vous prenez ça, vous répondez vers le paragraphe 48 comme ça. Vous allez voir qu'on pose la question au frère Branham, l'ange qui me garde. Maintenant, je me rappelle une fois, à Glasgow, longtemps, je me promenais, une dame me dit que tu as un ange avec toi qui me garde. Je lui ai posé la question. Tu le vois? Il dit non, c'est un message qu'il demande de te le dire. C'était une femme belle. Depuis là, je n'ai jamais revu la dame là. Alors, en lisant le frère Branham, c'est là où j'avais compris que l'ange à question, c'est ma propre théophanie. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'ange, c'est comme vous voyez l'ange. Quand je marche là, l'ombrage est toujours là à côté de moi. C'est ça votre théophanie. Ça est toujours là tout près de toi parce que vous êtes attaché par ce que la Bible appelle le cordon d'argent. Frère Branham dit que vous êtes un être double, l'autre de la terre, pour mourir. Et l'autre du ciel pour vivre éternellement. Et tout ça, c'est quoi? C'est côte à côte. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, frère Branham dit ceci. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, que ce petit corps naturel se forme dans la mer, il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel dès qu'il est temps. C'est-à-dire que l'enfer et le ciel sont là. Il s'agit de la prédestination, frère. Quand nous sommes arrivés maintenant au message du frère Branham, dans le 8e jour, c'est là, on avait compris qu'il s'agit maintenant de la prédestination. Jésus a dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est pour parler de la foi qui est un don que Dieu vous donne. Le don de la foi en question, c'est-à-dire que c'est une sémence prédestinée. C'est Dieu lui-même qui se développe en toi. C'est la théophanie. Amen. C'est la foi qu'avait Moïse. Parce que frère, si Moïse n'avait pas la théophanie, si Moïse n'avait pas la partie de Dieu en lui, Moïse n'avait pas, n'allait pas abandonner le trône. Frère, tu vas être roi. Tu seras roi de la plus grande puissance du monde. C'est-à-dire que toutes les nations seront assujetties devant toi. Et un homme comme ça, il regarde, il laisse. Ce n'est pas qu'il est devenu esclave dans un autre pays ou dans une autre nation. Non. En Égypte même. Frère, regarde-nous, ici au Congo, quelqu'un qui était directeur d'une entreprise, dès qu'on lui dit que fini le travail, il attrape la vis. Pourquoi? Parce que je dis, j'étais là, je vais descendre jusque-là. Il ne supporte pas ça. Et il meurt. Beaucoup de gens meurent comme ça. C'est comme si la vie s'arrête. Non. Il faut savoir accepter. Moïse avait accepté de quitter le trône le plus haut sommet de l'État et devenir même pas l'enfant
mais il est devenu esclave. Peut-être quand nous lisons ça, on lit au passé. Frère, ça, il s'agit de Dieu lui-même, frère. Amen. Moïse était dans la boue en train de piétiner la boue avec les esclaves. Mais les Égyptiens pouvaient regarder et dire, mais cet homme, c'est ça doit être un fou. Frère, tous les erreurs de la foi cités ici dans la Bible, pour le monde, ce sont des fous. Un Moïse qui est maintenant le trône, le futur roi, parce que Pharaon, il aimait plus que Ramsès. Amen. Pour Ramsès, pour Pharaon, le roi, c'était Moïse, mais pas Ramsès. Et Ramsès était jaloux de ça. Et lorsque Moïse avait décidé de quitter le trône, le roi était malade. Le roi dit Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. C'était une affaire de l'âme, mon frère. Parce que quand ça se passe au niveau de l'âme, personne ne comprend, mon frère. Et la foi de Moïse a fait de lui un fou, comme la foi de Noé a fait de lui un fou, de construire l'arche sur la montagne. Amen. Amen. Pendant que le bateau s'est construit au bord des eaux, en fait, qu'on la mette directement dans les eaux, mais Moïse, lui, Noé, plutôt, il va prendre son bateau, c'est sur la montagne qu'il construit. Et il construit le bateau avec des matières qui avaient de l'eau. Frère, Dieu, il est toujours le contraire de ce que les humains pensent. C'est ça notre problème. Et nous avons le même problème dans ce message. Lorsque Dieu dit A, les gens pensent B. Lorsque Dieu dit C, les gens pensent D. C'est ça le problème de le message. Ils n'ont pas le temps d'ajuster leurs pensées. Caïn voulait offrir un sacrifice selon ses propres pensées. Il est parti là où il criait le tel conseil. Je vais mettre un peu de raisin. Un peu de pomme. Des carottes. Vous voyez la couleur des carottes. Ça frappe. Un peu de blackberry. Comme ici, là, il y a trop de baby. Blackberry, cranberry, strawberry. Cherry, everything. Il a pris tous ces raisins-là. Il recule un peu le cœur comme ça. Il dit ah, ça, je ne peux pas accepter ça. Regarde l'église. Une grande église, 15 000 membres. On regarde comme ça, nous, la salle, Dieu ne peut pas accepter. Les gens chantent la louange, les yeux fermés. Oh, les larmes sont en train de couler. On dit ah, non, ça, Dieu ne peut pas accepter. Et quand Dieu a regardé comme ça, Dieu tombe les dos. Il dit bah, bon. Et regarde maintenant l'hôtel de la belle. Bizarre. Un hôtel bizarre, un hôtel sale. Avec du sang qui coule sur la laine de la brebis. Quand Caïn regarde, il dit ça. Si Dieu l'accepte, en tout cas, viens me couper les dents. Ça, c'est un truc comme ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Amen. Dieu, c'est un paradoxe. Pendant que les églises là-bas attendaient le Messie viendra, mais le Messie est parti là-bas sur les eaux boueuses du Jourdain, devant un prophète bizarre, un prophète qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais étudié la théologie, qui vient tout droit de la bourse. Qui était son pasteur dans la bourse? Jean-Baptiste. Amen. Yeah, amen. Et pourtant Jean-Baptiste était mieux placé pour être un prêtre. Parce que son papa fut un prêtre. Jean-Baptiste avait une bonne posture pour être prêtre à l'église. Pour préparer la venue du Messie. Mais Dieu regarde, si le Messie vient à l'église, les gens ne croient pas en lui. Parce que les membres de l'église viendront. Comme quoi le Messie de salut. Non. Dieu dit Jean-Baptiste, la bourse. Et quand Jean-Baptiste sort la bourse comme ça, à la rivière Jourdain, il est en train de baptiser. Un homme de ça comme ça. Et voici la mère de Dieu qui porte le chemin. Qui pouvait croire à ça? Frère, on a dit qu'ils ont dit que non, tu ne peux pas être le Messie parce que tu n'es pas venu de notre église. Amen. Amen. Oh, c'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. Et soudain, il est entré dans son temple. Amen. Amen. Ah, le temps est passé. Frère, on a dit, oh, le bébé né avec les muscles vivants. Un cœur qui bat. Amen. Un cœur qui bat, mais il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Mais aucun
de vie en lui. C'est comme les gens qui vivent dans les machines. Quelqu'un qui est en coma, on le met dans une machine, mais c'est quelqu'un qui est mort. Donc son cœur bat, mais le souffle de vie n'est pas là. Ne faites pas le dire ceci. C'est ça de ce qui se contracte. Voyez. Par contre, vous voyez, si c'était autrement, s'il n'y avait pas l'esprit qui devait venir en nous plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter. Nous ne respirons plus tout en étant quand même vivant. C'est-à-dire que si ce processus-là ne se passe pas pour être bébé, c'est un moment. Parce que quand le bébé naît, il faut qu'il y ait, c'est voilà pourquoi les médecins vont prendre le bébé vite, il faut qu'il s'est mis à côté. Quand il tape, on va le dire quand on veut que c'est comme ça, directement l'esprit entre. Et si cela ne se passe pas comme ça, c'est un mort né. Mais quand ce corps ne reçoit pas l'oxygène, le souffle, l'inspiration et l'expiration de notre monde, alors nous sommes morts. Bon, mais quand la mère, le petit bébé descend du cœur de sa mère vers la terre, descend. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La façon dont j'ai, pourquoi je le dis de cette façon. Quand le petit bébé descend, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le docteur, la sage-femme ou celui qui est là lui donne une claque sur le fesse. Amen. Amen. Le bébé, celui-ci doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Il continue. Remarquez une main. Ah. J'ai sauté une passage. Bon, quand vous donnez une carte, c'est l'esprit qui entre. Quand l'esprit entre, c'est là que l'enfant se soit et la femme pleure. Mais il dit ceci. Remarquez une main, elle peut être tout à fait mesquine et cruelle. Mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine bonté qui s'installe. C'est vrai? C'est vrai? Moi, je n'ai jamais accouché. Vous connaissez les secrets, c'est comme ça. Il dit, avez-vous déjà remarqué une mère, quand elle doit enfanter, il y a quelque chose de doux chez elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, cet esprit, un petit messager, pour cette petite demeure, est prêt à apparaître dans le monde. Ce messager, cet petit ange, est prêt à apparaître dans le monde. Ensuite, une fois que ce petit ange entre dans le corps, frère dit que c'est un petit ange de la terre, un esprit qui est destiné par Dieu à occuper ce corps. Amen. Amen. Ensuite, ce bébé doit pouvoir choisir. Il prend sa décision. Puis, quand ceci s'est produit, alors vous soyez, vous voyez, l'ange éternel maintenant entre ici, ce qui est le corps spirituel, celui qui est éternel. Et ceci se passe déjà à la naissance. Maintenant, regardez ce que l'Ecclésiaste dit. L'Ecclésiaste 3 11. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Amen. C'est-à-dire que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Oh, la pensée de l'éternité, c'est Dieu lui-même. Pour que Dieu puisse vous donner sa pensée, ça doit être lui-même en vous. Je parle de l'Ecclésiaste 12. Je vais arrêter le tour. Ecclésiaste chapitre 12. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Alors, je prends le verset. Je commence le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approche où tu diras, je n'y prends point plaisir. Ça, c'est un meilleur. Avant qu'elle s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et le soleil, et que le
nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, la vieillesse, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles ont diminué, ce sont les dents qui battent. Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, les yeux qui battent. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse les bruits de la meule. Où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Où la mandée fleurit, c'est le chemin qui grisonne. Où la sauterelle devient pesante. Où la capre n'a plus de feu, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcoururent les rues. Avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur la source et que la boue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça veut dire que l'homme est relié avec sa théophanie par un cordon d'argent, comme vous l'avez dit. Le temps est parti. Ça veut dire qu'on est des êtres doubles. Amen. Amen. Quand on est vivant, il y a un lien ici. C'est ce que la Bible appelle les cordons d'argent. La Bible dit, mais quand la mandée fleurit, c'est-à-dire que les cheveux commencent à grisonner, et que l'homme commence maintenant à se préparer pour partir. Amen. Amen. La Bible dit, avant que les cordons d'argent se détachent, et si ces cordons d'argent se détachent, l'âme va maintenant là pour habiter. C'est pourquoi la Bible dit, si cette âme dans laquelle vous habitez est détruite, il y a déjà une autre qui vous attend. Mmh. Faut maintenant dire à coup sûr, dès que la mort vous attrape, automatiquement vous êtes là. C'est pourquoi la Bible parle du cordon d'argent. Faut maintenant dire que c'est le même processus qui se passe. Quand le bébé naît, amen. Mmh. Quand le bébé naît, le corps vient pour entrer. Et aussitôt, quand l'homme meurt, aussitôt qu'il meurt, ça rentre déjà là. Amen. Voilà. Mais ce sont les deux corps qui ne sont que vous. C'est pourquoi, c'est ça que j'ai dit, vous êtes un être double. L'un du ciel et l'un de la terre. Voilà pourquoi dans une prédication, Frère Branham dit que votre corps glorifié est ici dans les tabernacles. Amen. Il dit, c'est la chose qui vous donne la force, qui vous charge comme une batterie. Frère Branham dit que c'est à quelques kilomètres, centimètres de vous ici-là. Mais alors, le Frère Branham dit aussi que, lorsqu'il a fait sa petite expérience, le feu voilà, est sorti de son corps. Mais il y avait un corps là qui l'attendait. Le corps était déjà là. Le feu voilà, dit que je pouvais regarder là, voir mon corps sur le lit qui était en train de bouger encore. Mais il était déjà dans un autre corps. Vous comprenez? Mm-hmm. Et pendant qu'il était là, il a fait son expérience. Et après là, je viens lui dire que non, tu dois rentrer là-bas. Le feu voilà, dit quoi? Moi, rentrer dans cette saleté-là, non, je ne peux pas. Là, je dis, tu dois rentrer là-bas parce que ton temps n'est pas encore accompli. Mm. C'est ça que Fabien parle, quand il parle du cauchemar. Il dit, l'enfer, c'est comme un cauchemar. Il dit, quand un homme meurt devant l'enfer, il est dans un cauchemar. Il dit, quand vous êtes vivant, dès que vous avez un cauchemar, vous vous réveillez. Parce que vous avez encore votre corps. Mmh. Il dit, mais lorsque vous êtes mort, vous êtes dans ces cauchemars-là, il n'y a pas moyen de vous lever parce que votre tête sur la terre est accomplie. Mmh. Et dès que le corps de l'argent se coupe directement l'homme est là. C'est parce que quand on parle de corps glorifié, frère, ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, ça est là. Amen. Mais nous sommes des fous. Nous sommes des fous pour croire ça. Ça, c'est la foi d'Abel, frère.
Amen. Une foi qui ne croit que ce que Dieu dit. Amen. Amen. Je vais te donner une dernière citation. Celui-ci était l'esprit mourant dans un corps mourant. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Mais dans la nature de l'Esprit du Seigneur, quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement comme dans le cas du bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. Et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, naissance qui vient de Dieu, il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. C'est ça le processus. Amen. Amen. Quand la vie quitte ce corps, ça va vers ce corps-là. Tout comme quand le corps est présenté à la terre, l'esprit entre et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Nous savons en effet qu'après que cette table où nous habitons sur la terre aura été détruite, n'est-ce pas? Nous en avons une autre qui nous attend déjà, vous voyez? C'est ça, le corps spirituel des gens. Amen. Amen. Ah. Frère Moïse est arrivé à la fin. Parce qu'on a dit. On a eu un communiqué, c'est qu'on devait quitter ici à 14h. Donc je vais m'arrêter là. On va continuer, on n'a pas de choix. On va continuer le prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. I'm
Seigneur, nous.